Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Voilà, j'ai fait dernièrement, vous avez dû voir des cartes de condoléances. J'en ai fait un petit peu d'avance. J'en ai donné quelques-unes à ma soeur pour qu'elle en ait aussi d'avance chez elle. Du coup, c'est pas très gai, hein, mais voilà, il en faut. Et comme je vous le disais dans une vidéo, des fois il en faut et on les a pas forcément sous la main, ils sont pas faites. Et puis bon, bah voilà, moi l'autre jour j'ai eu le cas du coup que j'en avais pas. Dernièrement, j'en ai fait quelques-unes d'avance et je me suis dit, mais t'es bête, pourquoi tu ne fais pas, pourquoi tu mets pas des drops dessus? Donc, ben, j'ai pas beaucoup de couleurs en drops, hein. Moi, j'ai du bleu très clair que j'avais acheté pour l'album My First Year. Donc, en fait, il a un effet transparent avec un peu de bleu. J'ai du blanc qui est nacré. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais qui est nacré ici, là. Et j'ai acheté le noir. Donc, dans un avenir, enfin, après ma formation, quand j'aurai trouvé du travail et que je serai vraiment, si je pars dans ma formation, enfin, si je pars dans le métier d'où je fais la formation ou pas, j'investirai dans les nouveaux parce que vraiment, ceux de chez Action, c'est nul, 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 nul. Alors du coup, que ce soit ceux-là, ça ne fait pas de bombé, ou alors que ce soit ces peintures qui soi-disant sont à relief, ne sont pas du tout à relief. Donc du coup, pour les peintures, j'ai même un exemple sous la main du coup, je vous les remonte, mais j'ai fait une vidéo dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand je vous l'ai fait celle-là en vidéo, il était vraiment bombé. Là, il n'y a plus rien, hein. C'est vraiment très très fin. Celui-là aussi, c'était pareil, mais là je l'avais fait la veille et je vous l'avais montré le lendemain pour vous montrer que c'était pas en relief. J'ai pas essayé sur du papier noir, j'ai pas encore utilisé comme ça. Je reviendrai vers vous si au cas où. Au cas où sur le papier noir ça ait un rendu super, super joli et autre, voilà, en espérant que la peinture ne change pas, puisque quand vous la mettez, la peinture est brillante, quand la peinture sèche, elle est mate. Donc ça vous fait comme un embossage, mais mat. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, sur celle où il y a du noir, je vais venir mettre quelques drops. Donc je ne vais pas mettre sur celle-là parce que j'ai presque la même. Donc pour m'en inspirer, je me suis beaucoup inspirée sur Pinterest, hein, voilà. Mais du coup, je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai vue. Enfin, c'est pas une astuce vraiment. Enfin, si, c'est une astuce. Moi, je voyais les gens qui utilisaient les drops à l'époque. Quand j'avais regardé sur Internet comment on faisait des drops et tout. En fait, la personne, elle vient, elle fait un petit chouille. Donc là, je vais zoomer pour vous montrer. Voilà. Elle fait un petit chouille. Et elle vient tourner comme ça. Et dernièrement, j'ai regardé une vidéo de Ludovic. Alors, je crois qu'il se nomme Ludovic. C'est la chaîne Ambre Créa. Il fait de superbes albums. Il fait vraiment... il a un talent monstrueux. Et il était en train de faire ses drops. Et là, je le vois faire. Et il fait juste comme ça. Donc, déjà, avant de faire votre drops, ne le faites pas sur votre, projet. Hein, parce que des fois, il y a une bulle d'air. Et puis, ça... Ça proute et vous vous retrouvez avec un truc qui ressemble à rien. Voilà, lui il fait ça. Voilà, hop. Voilà, et la drops elle est juste parfaite. En fait, il n'y a pas forcément besoin. Enfin, moi du coup, quand je l'ai vu faire, je me suis dit tiens, je vais en faire sur quelques réalisations de mon album mère et elles étaient parfaites. Le lendemain, elles étaient mais nickel quoi. Je me suis dit mais même en faisant la technique du ziboui-boui là, t'y arrives pas. Donc là, du coup, je vais en mettre ici. Et en plus, vous pouvez faire vraiment toutes les tailles. Donc est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Hop. Lui, il laisse la petite pointe. Donc là, je voudrais en faire une petite, une moyenne et une grosse. Voilà. Et là, je vais faire un peu plus gros. Voilà. Donc lui, il les enlève directement. Et regardez-moi cette magie. Elles sont bien bombées. Elles sont bien rondes. Elles sont parfaites. Donc du coup... Je vais en mettre quelques-unes, je vais les laisser sécher. C'est vrai que c'était toujours la galère pour avoir de belles drops bien dodues.
Alors une fois, je m'étais même dit, bah au pire, tu les fais d'avance sur des feuilles sulfurisées et puis après tu les colleras. Mais non, là c'est pareil. Bah non, du coup là, celle-là, elle a glissé un petit peu. Mais là, c'était pareil. Sandy, t'as zoomé, donc il faut que tu te places mieux. Voilà, vous voyez? Elle est bien dodue, bien ronde. Elle a un peu glissé sur le côté ici, mais elle est bien dodue. Donc ici, où est-ce que je vais en faire? Je vais peut-être en mettre une là. Donc du coup, est-ce que je suis bien dans le champ au crack? Oui, parce que j'ai zoomé. Donc lui, il fait vraiment même. Il se met vraiment comme ça. Il dépose sa boule, crack. Voilà. Alors j'en ai une qui est un tout petit peu, qui est tout, hop là, je vous montre, qui est un tout petit peu partie en cacahuète, mais les autres non. J'en ai une là et j'en ai une là. Et là. Vous voyez, elles sont bien dodues, elles sont bien rondes, comme on les aime. Oh, elles sont parfaites. Ah, je suis contente d'avoir vu. Bah Ludovic le faire parce que du coup moi je galérais un peu et c'est vrai que du coup c'était quelque chose que j'oubliais d'utiliser on va dire parce que voilà et donc voilà j'en fais une autre. Alors aussi dernièrement je me suis dit mais pourquoi tu fais que avec des fleurs, des lettres, tout ça pour les lettres de condoléances, tu devrais aussi faire avec un thème mère parce que c'est vrai que nous aussi on est en Bretagne donc voilà. Après, je vous l'accorde, hein, c'est pas quelque chose qu'on garde, mais bon, ça fait toujours joli et puis voilà quoi. Alors, faut que j'évite de venir coller le petit bout en plastique dessus parce que du coup, il fait une tache. Voilà. Donc là, je vais refermer. Mais je tenais à vous en parler parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous voyez, j'ai presque même pas besoin de taper. Ben, t'as zoomé, Sandy? J'ai presque pas besoin de taper dessus et la boule se forme automatiquement. En fait, la petite queue là qui dérange, vous voyez, là, j'ai juste avec mon embout en plastique touché et du coup, c'est parti en cacahuète. Mais sinon, hop. Elles sont. Super, elles sont magnifiques. Donc c'est dommage pour celles-ci, mais sinon elles sont parfaites quoi. Elles sont vraiment très très bien. Hop, je vais essayer de remettre de loin parce que je zoome et j'oublie que vous êtes trop proche. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous aura aidé. Hein. Je peux vous en faire un essai avec le bleu pour vous montrer la couleur. Donc celui-là c'était le Sea Breeze et celui-là c'est. Alors lui c'est Blackboard, pourtant il est brillant, il n'est pas mat quand il sèche. Donc lui c'est le cibri. Vous voyez ça a prouté et du coup ça. Hop. Donc la petite queue qui me dérangeait avant en fait, elle vient se placer correctement. Vous voyez? Hop là, Sandy, t'as zoomé. Oh là là. Vous voyez? Alors, le truc que vous voyez, c'est l'ombre. Hein. C'est parce que j'ai allumé toutes les lumières. Donc là, ça nous fait une belle drops. Hop. Et du coup, je vais vous en faire une blanche nacrée. Donc celle-là, c'est la Dream Drops. Alors, je les ai achetées sur la boutique d'Horizon Créatif. Vous voyez, ça a pchité. Donc ça, c'est pas bon. Je vais en faire une grosse. Enfin, une grosse. Les drops, c'est pas fait pour. Voilà, mais. Même pas besoin. Vous voyez comment qu'elle est belle. Alors celle-là, elle a un bleu un petit peu translucide et celle-là, elle est nacrée en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, elles sont bien bombées, bien rondes. Voilà. Allez. Il veut pas. Mais c'est vrai que le papier blanc et les téléphones, c'est pas l'idéal.
Vous voyez, elles sont bien bombées, bien blondes, bien rondes, je veux dire, bien blondes. Et du coup, je suis ravie parce que bah moi, j'y arrivais pas trop, donc c'est vraiment, je les utilisais pas trop. Même dans l'album de ma copine, je me suis dit, mince, Sandy, t'arrives pas, quoi. C'est vraiment, c'est chaud, quoi. Tu vas tout gâcher pour faire des drops et puis finalement, ça fera pas joli sur la page. Et là, je suis contente, je suis ravie parce que du coup, bah, ça fonctionne et que du coup, j'y arrive. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.